groupe avec Karim qui va nous présenter son entreprise. Aujourd'hui, Flying Wells en fait est présent sur le CES pour présenter le LCA60D, qui est un dirigeable de transport de charge lourde jusqu'à 60 tonnes avec la capacité de charger et décharger en vol stationnaire. Donc, c'est vraiment l'innovation qu'on apporte aujourd'hui, c'est qu'on n'a pas besoin d'empreinte au sol pour opérer, on n'a pas besoin de piste d'atterrissage sur un aéroport, on n'a pas besoin de port, on n'a pas besoin de route. Nous, on peut prendre une charge à un point et la déposer sur son lieu de livraison ou aller chercher une charge. Ça va être le cas avec le transport de bois, c'est là qu'est né le projet. C'est un besoin de l'ONF en France d'aller chercher des bois dans les zones difficiles d'accès. Donc, on va chercher le bois puis on la ramène sur une place de dépôt pour être pris sur des camions là où c'est trop difficile de le faire avec des solutions conventionnelles. Mais une des grosses applications, ça va être le transport d'éoliennes par exemple, surtout les pales. Aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile à transporter. C'est un cauchemar d'un point de vue logistique. On peut les prendre et aller beaucoup plus vite que les solutions conventionnelles. Pour les turbiniers qui aujourd'hui ont deux solutions, soit le dirigeable, soit couper les pales en deux, une pale de 100 mètres de long, on la coupe, mais c'est pas 50-50, c'est 80-20, donc il y a toujours un problème comment on va transporter, c'est un peu un problème pour eux.